Yo les gens, c'est Fun80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo présentation de mes équipes. J'ai quelques jours de retard par rapport à d'habitude. C'est vrai que d'habitude c'est plus vers le 15, là on est le 24. Mais au final, voici enfin la vidéo. Il y a eu peu de modifications dans mes équipes. C'est vrai que j'ai eu des crédits pendant la TOTY. Je les ai paqués parce que je suis assez stupide, je réfléchis très peu. Mais voilà, il y a eu quelques améliorations quand même dans mes équipes. Donc au niveau de mon équipe Fut Champion, cette équipe-là, ai-je vraiment besoin de la présenter? Bah, c'est l'équipe avec laquelle je fais Fut Champion depuis plus de 2 semaines maintenant. Bon, j'ai pas fait ce week-end parce qu'il n'y a pas eu, de week-end Fut Champion. Mais le prochain week-end qui arrive, ça va être comme d'hab avec cette équipe-là. La seule modification à noter, c'est le Nzonzi Second Inform à la place du Nzonzi Inform. Après, bon bah voilà, pour tout ce qui va être de la défense, du milieu et de l'attaque, c'est la même chose. Hein. Danovic, Miranda, Marquinhos Inform, Kurzawa SBC, Mariano, Modric, Nzonzi, donc seconde Inform maintenant, Matuidi, Martial, Griezmann, Bale, le trio qui est vraiment on fire. Je vous montre le bilan parce que voilà, Bale 129 matchs déjà, 92 buts, 64 passes décisives, c'est monstrueux. Blaise Matuidi, on s'en fiche. Martial, 72 matchs, 32 buts et 31 passes décisives. Détroit, c'est le mec qu'on voit le moins. Je pense que ça se voit au niveau des stats. Et enfin, Antoine Griezmann, 72 matchs, 83 buts et 34 passes décisives. Je suis ultra content de ce trio d'attaque. Et voilà, c'est probablement la meilleure équipe que j'ai depuis le début du jeu. Peut-être pas sur le papier, mais en tout cas, in-game, c'est celle avec laquelle j'arrive le mieux. Ensuite, l'équipe Draxla. Donc ça, c'est l'équipe que vous avez pu voir lors de la revue de Julian Draxler. Une équipe, c'est une Barclay Première Ligue en fait. C'est tout simplement une Première Ligue avec Blaise, Matuidi et Draxler pour tout simplement pour intégrer Draxler. Après, c'est une équipe, on va dire, cheatée. Parce que bon, il y a du Mané, du Gray Inform, du Raheem Sterling, Masuaku, Zuma, Bailly, Walker, Emre Can et Butland dans les cages. Une équipe sympa, voilà, c'est une équipe sympa. Il y a... C'est soit... J'ai perdu des matchs avec, j'ai pris des branlés. Donc en fait, cette équipe, c'est soit tu vas défoncer l'adversaire, soit c'est toi qui vas te faire défoncer. Donc, équipe assez moyenne dans l'ensemble, mais voilà, il y a quand même deux individualités qui se dégagent quand même pas mal de cette équipe. Ça reste le Draxler, que j'ai trouvé excellentissime, et Gray Inform qui... il fait très mal, voilà, il fait vraiment très mal. Si vous avez les crédits, que vous cherchez un buteur un peu cheaté en première ligne, Inform, n'hésitez vraiment pas à poser dessus parce qu'il est super efficace, il est puissant, il est rapide. Et ouais, voilà quoi, il a une bonne finition devant les cages. Et enfin, la dernière équipe, donc où il y a entre guillemets que 3 équipes. L'équipe Son Off, je voulais juste intégrer le Son parce que c'est vrai qu'au final, le Son, j'ai fait le SBC. Il y a quelques jours, j'ai fait le SBC, j'ai jamais utilisé comme David Villa, que j'ai très peu utilisé. Pareil pour le Douglas Costa. Mais le Son, de tous les SBC que j'ai fait, bon, il y a le Kurzawa, évidemment, j'ai fait plus de 100 matchs avec déjà. Mais voilà, le Son, c'est un joueur, je joue très peu avec. Mais à chaque fois que je vois des vidéos où il est dedans, ça me donne envie de jouer avec. Et là, du coup, j'ai décidé de refaire une petite équipe. Donc un 4-3-2-1 encore. Nolink Wasted, cette équipe-là. Donc c'est une première ligue mixée à de la BBVA. Et voilà, c'est de la Liga Santander maintenant. Donc Ter Stegen dans les cages, l'Hyperlink, Jiménez, Diego Godin. On a du Valencia à droite, Masuaku à gauche, N'Golo Kanté, Dembélé, Herrera, Williams, Morata, ainsi que Son. Donc Son version POTM. Vous pouvez voir, j'ai fait que 11 matchs avec 2 buts, 2 passes D. Je l'ai vraiment très peu utilisé et surtout je l'ai mal utilisé. Donc là, je pense que je vais quand même saigner pas mal cette équipe, surtout qu'on a, un milieu de terrain moi qui m'intéresse beaucoup, surtout le Dembélé. C'est vrai que le Dembélé, c'est un joueur qui est très bon cette année sur FIFA Ultimate Team. Je l'ai peu utilisé et à chaque fois que je suis tombé contre lui, moi, il m'a fait vraiment très mal. Et c'est donc la troisième et dernière équipe seulement que j'ai à vous présenter dans cette vidéo. Donc voilà, Stéphane80HD pour une petite vidéo présentation de mes équipes FUT. Si tu kiffes ces équipes, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao, et on se retrouve très prochainement pour la revue de Léo Messi version Team of the Year.